Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau vlog aujourd'hui. Voilà, vous le savez, j'en ai parlé, je crois, sur Insta. Un petit vlog de Pâques comme l'année dernière. Sauf que nous avons fait paquette ce week-end là. On est mardi aujourd'hui. Et comme on était en famille, tout ça, j'ai pas vlogué pour. Parce que j'avais pas envie d'imposer la caméra à tout le monde et que voilà, j'avais pas envie. Donc on le refait que tous les deux avec Amélie et Victoria qui est juste là. Hey Victoria, ça va? Ça va. Elle mange son bout de pain, elle va bien. Et voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué. Déjà ça faisait un mois que j'avais pas fait de vidéo et la dernière vidéo là que je vous ai sortie la semaine dernière, je vous la remets là si vous l'avez pas vue, sur Phantom Manor. Je suis très très content des retours que vous faites, donc je suis content de voir qu'elle vous plaise et il y en aura d'autres comme ça. Et là aujourd'hui, oui, paquette, j'ai dit paquette pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs de l'année dernière, le vlog de Pâques de l'année dernière. Nous on appelle ça paquette. En général, on va faire un pique-nique. Quand il fait beau, on cache les œufs, voilà. Et ça se fait en général le lundi de Pâques. Mais là, on est en semi-confinement. Donc, on a juste fait un repas à la maison. Puis avec Victoria, il faut qu'elle fasse la sieste et tout ça. Donc, le pique-nique, c'était pas la meilleure chose à faire. Et puis, honnêtement, moi, j'ai horreur de faire un pique-nique. Manger dans l'herbe, tout ça, moi, je suis bien chez moi, mon confort, mais... Donc ça fait 2 ans qu'on ne peut pas faire de pique-nique. Je suis ravi. Bon, Amélie est là, elle n'est pas très loin. Elle est dans la chambre, mais elle s'est fait un petit make-up. Parce qu'elle ne supporte pas de sortir ou qu'on la voit sans maquillage. Alors oui, je change de place, je me mets en face de Victoria. Qui est juste là. Voilà, hop, use la petite main. Oui, c'est celle-là. Voilà. Et parce qu'elle veut participer. Hein? Tu veux participer? T'es intimidé par la caméra? Tu te dis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait papa? À qui il parle? Là on fait une petite salade. Quoi? Mais t'as mangé toi déjà? On fait une petite salade simple. Je fais bouillir des œufs. Enfin voilà. Une vie passionnante. 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 Et il fait pas très beau, mais madame va vous faire son point météo quand elle aura décidé que ça... Quoi, c'est toi qui veux le faire le point météo? Tu peux, hein? Tu pourras prendre la relais, hein? C'est maman. Oui, c'est maman qui le fait. Ouais, elle arrive. Elle arrive bientôt. Et coucou! Ah non, on me voit pas. Ah si, ça y est. On me voit. Bonjour, bonjour. Lui, il a pas voulu que j'attende, il a pas voulu attendre que je me maquille. Donc il a commencé ça. Bref. Tu sais que j'ai vlogué aujourd'hui. Eh oui. Il est quand même midi et demi. Eh oui, mais bon. J'ai fait des trucs. Voilà, c'est les vacationnaises, hein. Voilà. Quoi? C'est les vacationnaises. Oui, les vacationnaises à la maison. À la maison, génial. Ouhou. Bref, donc j'ai entendu qu'il allait vous dire que j'allais faire le point météo. Donc voici le point météo du jour. Il fait pourri. Voilà. Il y a du vent. Hier on était dehors au soleil et là on se pèle le jus. On se pèle le jus, voilà, je vous le dis, on se pèle le jus. Du coup on va aller chercher les œufs après parce que du coup on l'a pas fait hier. Parce qu'il m'a dit non, on le fera pour le vlog. Donc du coup il va falloir qu'il me planque tous les œufs. Tous, hein. Les œufs sont cuits. Ah, et les œufs sont cuits pour la salade. C'est pas, on fait des vlogs, mais franchement, on leur montre ce qu'on mange et tout, c'est trop bien. Wouh, j'adore. C'est la folie. Bref, voilà. Donc, il fait froid. Je repasse sur la météo. Mais il fait froid et je crois que toute la semaine, il va faire un temps de merde. Bien sûr, on est en vacances, il fait un temps de merde. Ça, c'est. Ça, on a eu un super week-end. Voilà. Oui, on a eu un super week-end, j'avoue. Mais bon, ça aurait été bien sur toute la semaine. Allez. Bon, on vous prend la table avec nous, hein. De toute façon, dans ce vlog, on n'a pas grand chose à vous montrer.
Salade. Le jour où j'ai posé ces congés, c'était pas ça qui était prévu. Non. Non. On devait aller chez Mickey cette semaine-là. On devait être au DLH ou à l'hôtel Marvel, enfin au New York. C'est ça. Bon. Avec les copains et tout, trop bien. Là, la béton. Voilà. Voilà. On est en bonne santé, tout va bien. Oui. On est vacciné. Ah oui, vous êtes vacciné. Ça se voit, je savais, je sais. Depuis le début de la vidéo, je dis ouh, quelque chose a changé, quelque chose a changé. Ouais. On est vacciné. Voilà. Précis. C'est tout. Avec le Pfizer. Oui. Oui. Après, on va pas faire de polémique là-dessus, mais. Comment j'ai acheté. Ouais. Et pour ceux qui se demandent. On est vacciné, comment ça se fait parce que on a moins de 70 ans, je crois. Hein. Ouais. Mais c'est juste qu'on est soignant, donc on est là. Voilà. Mais on aurait quand même été mieux à Disneyland Paris. Oui. On devait encore repartir en Corse en juillet. Et je pense que ça va être encore annulé. Annulé. Eh oui. Tu voulais partir en Corse toi? Ouais. Ben non. On pourra pas y aller. On pourra pas y aller, c'est mort, c'est mort. Ouais. C'est mort. On pourra pas. Non. À Disney c'est ouvert. Ouais, non. À Disney c'est ouvert. À Disney c'est ouvert. À Disney c'est ouvert, j'espère que ça sera ouvert. Ouais. Fin juin, fin juin, début juillet, j'espère que ça sera ouvert. Donc. On verra. Bon allez, je vais lui cracher des œufs. Ouh, trop de soleil. Beaucoup trop de soleil. Alors oui, s'il y a du vent, vous m'en excusez. Parce que comme elle vous l'a dit, à la météo, il y a du vent aujourd'hui. J'espère qu'elle ne regardera pas par la fenêtre de... Elle est en train de mettre Victoria à la sieste. Faudrait pas qu'elle triche. C'est pas son genre, mais on sait jamais. Donc elle a un petit Kinder Maxi comme ça. Enfin un petit Kinder, un gros Kinder Maxi. Et après elle a ce sac là. Pour aller ramasser ses œufs. C'est ma soeur qui nous l'a acheté. Bon, à la base, c'est pour Victoria, hein, on est d'accord. Mais vu que Victoria n'est pas du tout en âge de chercher les œufs, là, je lui cache. Je vais lui cacher celui-là. Regarde. Je vais lui cacher celui-là sous le fauteuil. Et si elle le trouve, celui-là. Là-dessous. Hop. Je ferme. Après. Ou après moi je m'embête pas hein, pour regarder. Hop. Je jette. Donc elle a 6 œufs à chercher. Je vais lui en mettre quelques-uns simples quand même. L'année dernière, j'en avais mis une dans le barbecue. Je le remets. Si elle pense à y aller. Oh, j'ai déjà. Il m'en reste que deux à cacher. Ça va vite. Elle va aller moins vite, elle, pour les trouver, ça c'est sûr. J'ai refoué un là. Comme hier. Allez. Bon alors, Pitchounette est au lit. Elle dort. Bon, je peux vous la montrer. On la voit pas. Voilà. Si elle dort, on va le chercher. Elle dort. Voilà. Oui, oui, elle dort. Oui, oui, on n'a pas du tout de problème d'endormissement. Non, on la pose au père tout à l'heure. Voilà. C'est trop bien. Le soir, c'est pareil. Le babyphone, il m'a fait chier. Ça y est, ça va aller. Le soir c'est pareil, on la met, elle dort. Donc oui, les parents qui ont des problèmes pour endormir vos enfants, vous pouvez nous détester. C'est en bas dans les commentaires. C'est ça. Marquez, allez vous faire foutre. Voilà, vous êtes tous. Voilà, voilà. Vous pouvez. Avant qu'on commence la chasse aux œufs, avant qu'on commence la chasse aux œufs, je voulais vous montrer
quelque chose que mon frère a acheté à Victoria, sachant que mon frère est le parrain de la petite. C'est la mignonnerie suprême. Mais il n'est pas trop mignon. Ah si, j'adore. C'est Stitch. Oh. Il vient, voilà, il y a marqué Disney Store 2021. Voilà. C'est Stitch à la paix, mais trop mignon. J'adore. Trop mignon. Et voilà. Après ça, c'est la soeur à Nico qui l'a acheté à Victoria, oui, pour l'année prochaine, mais du coup je vais m'en servir. Je l'ai dit déjà. Ah merde, c'est le petit panier des trucs. Je me suis servi pour prendre les œufs pour les porter. Mmh. Donc, allez, on va chercher les œufs. J'adore, je suis trop fan. On a mis la petite olive, on va chercher les œufs. Nous on fait les trucs à l'envers quoi. Que dans tout le jardin. Oui, tu as 6 œufs Kinder. C'est... Tu as 6 œufs Kinder, ouais. T'as le petit lapin et t'as le gros œuf. Maxi Kinder. Maxi surprise, wow, cool. Voilà. Allez, feu. Que dans le jardin. Attention, c'est quelle émotion. Vas-y. Allez, vite, tu viens. Oui, je suis ok. Allez. En plus, t'as pas tendu, donc ça va être pratique. Oui, j'ai pas tendu exprès. Voilà, on est sur une forêt vierge. Vous voyez, on est sur une forêt vierge. Toujours la chatte dans la niche, oui, toujours. Par contre, à tout moment, tu peux en écraser un. Hein. Ah, déjà, un, c'est pas mal. C'est bon pour cette zone. C'est bon pour cette zone-là. C'est de ce, dans tout ce truc-là, il y en a deux. Il y en a deux ? Ben, t'en as trouvé un, il t'en reste un. Non, mais je crois que Ivy avait joué en fait. Ouais. Alors on change de côté. Ce vent doit être insupportable. Je vais voir ça dans la... quand je vais faire le montage, mais désolé. C'est pas moi qui choisis la météo. Hop, d'ailleurs les chaises se sont renversées. Tout. Là. Il y en a un où? Là. Ah, elle a trouvé. Il y en a un qui aussi. Eh ben oui, je me suis dit. On va voir si elle y passe ou pas. Bien sûr. Donc t'en as trois déjà, il t'en manque trois petits. Ils sont dans le tout là? Ouais. Il y en a pas là-bas. Il est tombé avec le vent. Ah mais faudra bien le casser pour le manger de toute façon. Non. Donc il te manque un petit et le lapin. Un petit et le lapin? Ouais. Ça va mis derrière là-bas aussi? Peut-être. Regardez, non, j'en profite, hein. Regardez notre cerisier comme il est beau. Regardez, il y a un bourdon là qui est en train de butiner. Il y avait plein d'abeilles hier. Le petit, tu m'as dit, il est de la paix. Ça bosse dur là. On va avoir des belles cerises. Et on sort, hop, elle arrive. Ça en dure des loups là. Ça va, ça va pas, hein. Eh ben, c'est peut-être idéal pour cacher un œuf, non? Voilà, il te manque que le lapin. La récolte est bonne quand même. Il n'y avait que lui là, caché là. Ah merde, il faut que je retourne vers là. Le lapin, tu es passé pas loin mais tu l'as pas trouvé. On trouve pas des couteaux aujourd'hui. Il y a le gros bourdon là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a du... Il y a Didier. Didier le bourdon. Ben Didier Bourdon. C'est nul. Je le vois. Non, il est pas là. Il est vers le salon du jardin. Tu te doutes bien que j'en ai caché un là, mais tu l'as pas trouvé. Non, je l'ai pas trouvé. J'ai été sûr que celui-là tu le trouverais pas en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vas-y, pose. À l'envers hein, quand même hein. T'as la kikouette qui se dresse là. Tu pourrais y mettre dessous, mais si tu peux faire ça.
je te connais. Ah ben oui, bah, c'est vrai que je t'ai pas du tout aidé quoi. Ça y est, t'as tout trouvé. Dis donc, on va pouvoir bouffer du chocolat. T'as tout trouvé. J'adore faire ça. Mais l'année prochaine, je pourrais plus le faire. Bon. Ce sera la PEC qui va le faire. On rentre parce qu'il y a peu de vannes. Ah mince, mais j'ai fermé là, faut refaire le tour, je crois. Je sais pas. Faut refaire le tour du domaine. Oh oui, quel domaine. Quel domaine de malade. Bah alors. Je lui donne un test, je disais, il pourrait faire ça tous les jours, me cacher les œufs, je serais trop contente. Par contre, putain, j'ai les cheveux dans tous les sens. Ah oui. C'est vraiment ça, c'est bon. Les cheveux dans tous les sens. Bon, ben voilà. On va rien faire de plus, là. On va ranger la table, vu qu'on a fini de manger. On va ranger la table, on va étendre le linge. Bon, c'est... passionnant. On va vous épargner tout ça. Par contre, on va aller faire un tour après à Isis avant d'entrer. Oh merde. On veut aller faire un tour après le roi Merlin parce que oui, ça y est, on a le roi Merlin chez nous enfin. Et on est allé ce week-end, c'était franchement bien. On a acheté des étagères là pour ranger le garage, on a fait une tri de malade, donc voilà. Et là, il faut qu'on y retourne pour acheter d'autres choses. Et du coup, Amélie a toujours pas son permis, mais ça ne saurait tarder. Mais c'est surtout qu'avec la situation actuelle, là, pour avoir un rendez-vous pour le prochain permis, voilà. Mais elle fait la conduite supervisée. En gros, c'est la conduite accompagnée pour les vieux. En gros, c'est Autopia en vrai, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ben, je vais la faire conduire, on fera un peu Autopia en vrai, quoi. Voilà. Hein, voilà. Sauf que bon, on va pas aller aussi vite, quoi. Tu vas plus vite. Oui, mais bon. Tu vas bien plus vite. Beaucoup plus vite. Comme sur Autopia, sur le champignon, quoi. Allez, on va Autopia. Et nous voilà dans Autopia. C'est Autopia de la vie réelle, donc c'est pas la même. Amélie est au volant. Et ça le fait rire de me voir au volant. Oui, ouf. Il y a le Dodan. Ouais, le Dodan, il est cassé. Et Victoria est derrière, dans son siège auto. On la voit pas. Non. Elle dos à nous, de toute façon. Dos à la route encore. Tu conduis du bien, hein. Bah, je sais, malheureusement. Tu conduis du bien, mais je comprends. Je comprends pas pourquoi elle a pas... Hein. Non, l'inspectrice est pas très gentille. Non. C'est pas. Ouh, je fais que cogner. Bon, c'est beaucoup moins drôle que dans Autopia. Hein. Oui, non, parce que là, je suis pas en mode je rigole, là, je vous le dis. Hein. Surtout qu'on a une grosse, grosse voiture. Ah oui. Une grosse voiture de parents, quoi. Donc, forcément, ça me change d'Autopia. Et là, j'ai un peu acheté un bouton, ça me. Ah non, ça va. Bref. Donc, voilà. Va le roi Merlin. Ouh, je l'ai pas filmé, il n'y a aucun intérêt à filmer le roi Merlin. Ah, on a croisé Brigitte. Ouais, on a croisé Brigitte. Salut Brigitte. Et oui, non, je vais pas filmé. C'est juste manière que vous me voyez au volant, quoi. On te voit au volant. Moi. Mais c'est un peu. C'est où ça tourne. Putain, je vous jure. Hey. Ah, même la petite est contente. Donc, on n'a pas pensé à couper la musique. Si je coupe pas la musique, je vais avoir des droits d'auteur et ma vidéo sera bloquée. Merde. Voilà, bien joué. J'ai pas pensé à ça. Bon, et Miss Météo. Ouais, vous avez vu ça. Le temps s'est quand même levé. Hein. En même temps, avec le vent qui souffle, mon pauvre, les nuages, ils sont vite partis. Hein. Le temps il s'est quand même levé. Il n'y a pas trop de nuages. Hein. Il y en a sur le fond là-bas. Non, pas ça. Et là, nous roulons direction le bonheur, la route du bonheur. N'importe quoi. Il est bizarre. Pourquoi je suis bizarre? Parce que t'es un peu chelou, la route du bonheur pour aller à Leroy Merlin, quoi, super! Ça, c'est de la route du bonheur, hein, je vous le dis. Mais c'est énorme, Leroy Merlin! Bah, vous qui connaissez pas, franchement, c'est bien Leroy Merlin, quoi! Y a vous connaissez pas, c'est vrai que vous connaissez pas. Il y a plein de trucs. Personne. Et elle a calé! Je l'attendais ça! Oula, vite, vite, vite! Oula, la vite! Ouh là là. Pardon. Elle se chauffe, messieurs, dames. Je me chauffe, quoi. T'as raison, j'ai calé comme une quichasse, là, ça me gonfle. Une quichasse, bonjour, monsieur.
Vous êtes sur le vlog, bonjour. Ça lui met de caler avec cette bagnole. Alors qu'avec l'autre, je cale pas. Oui, oui. Si, c'est vrai. Avec la mienne, avec ma petite Clio. Elle a une petite Clio. Ma petite Clio, je cale pas. C'est là, je cale. Vous l'entendez? Voilà, elle parle assez, assez peluche. Elle s'invente une vie. Elle s'en fout quand maman elle est calée. Eh hey, Victoria, ça va? Ah, dès que j'y parle, après c'est. Non, elle s'arrête. Bon, allez, la séquence Octopia va se terminer là parce que. Ben, parce que ça sert plus à rien et puis nous sommes. Oula! Nous sommes à côté de deux travaux. C'est là, c'est. Oulala, oulala. Et elle. De ta race. Elle serre les fesses là. Ah oui. Oula, elle serre les fesses. Oulala, oulala. C'est trois. C'est ça. Là, c'est trois, j'aime pas. Il y a des travaux, c'est pas bien. T'es pas gentil. Vous avez vu ce que je subis? Voilà, c'est mieux. C'est mieux là. Oui, là, c'est mieux. Il y a de la place. Là c'est plus large et tout, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Bah après j'ai dit ça mais pour que je vlogue à côté d'elle alors que c'est elle qui conduit, c'est que je suis quand même un minimum serein. Et je suis pas fou non plus. Voilà. Bon allez. On va à Leroy Merlin. Je vous l'aurais dit 28 fois. Cette vidéo est sponsorisée par Monsieur Leroy Merlin. Monsieur Leroy Merlin. J'attends votre mail. Et ben on se retrouve à la maison tout à l'heure pour la suite. Voilà, allez. Bisous. Et on est rentré. T'es contente de ton achat? Ouais. Voilà. Bon, elle est fatiguée, ouais, fin de journée. Ils aiment pas trop ça. Elle est fatiguée. Amélie a acheté son aspirateur de chantier, un aspirateur extérieur pour aspirer les gravats, tout ça. Donc, comme on a du gazon synthétique, vous avez dû le voir. Mais autour de la piscine, là, on a du gazon synthétique. Et pour aspirer tout ce qui est gravats, poussière, les feuilles, tout ça, c'est beaucoup plus pratique. Et elle vient de le passer, elle est contente. Mais comme Victoria a peur de l'aspirateur, eh ben, elle nous a fait une crise là, elle fait que pleurer. Bon, c'est pas grave, ça va passer. Donc voilà. Hop, et comme voilà, ça, dans les bras. Avec... Donc bon, écoutez, le vlog, je sais pas du tout ce que j'ai comme contenu, mais. C'était ma manière de passer la journée avec vous. Il fera une dizaine de minutes, hein, voilà. Voilà. Mais on va rien faire de plus, donc je vais pas filmer plus que ça. J'espère que tout cela vous aura plu. Et ben je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop ce que c'est. Je regarde. Mais il faut que je refasse en plus. Ouais. J'avais marqué le room tour, mais je crois que je vais pas faire ça. Je vais faire autre chose. Bon, je vous dis pas parce que je sais pas ce que je vais sortir encore. Vu que là on est en vacances, je vais en profiter pour faire des vidéos. Donc ça sera la surprise. Donc n'oubliez pas de vous abonner et. Oui. Et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9h. À 9h, elle a oublié. Ça fait longtemps que je savais pas. Elle a oublié. Et ben, je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ah, elle fait des bisous. Elle dit au revoir. Allez, c'était Amé. Et Ninou. Et on vous fait des bisous. Bye. À samedi prochain.